Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au cœur de Leaders Impact Forum 2023 sur ce plateau du Hub Live, donc proposé par le Hub Institute. C'est une journée d'intervention et de networking autour de grands sujets actuels, des grands sujets actuels de l'économie durable et de la transformation durable. Et justement, nous sommes avec Thomas Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au Cleantech Open France. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Cleantech Open France ? Merci pour cette intervention et merci au Hub Institute de nous permettre cette interview. Le Cleantech Open France est une association de loi 1901 qui agit pour cette transition énergétique et écologique grâce à différentes actions. On a aujourd'hui constitué un écosystème depuis 2010 de 600 startups cleantech, donc des startups éco-innovantes, et d'une centaine de partenaires publics et privés, dans lesquels on va les mettre en relation pour qu'elles puissent échanger, travailler ensemble et arriver à cette transition énergétique et écologique. On a aujourd'hui 4 grosses actions que l'on développe. On a un concours annuel pour élire les meilleures startups cleantech dans 9 filières différentes. Je vous inviterai à aller voir sur le site les différentes filières, on est sur tous les secteurs, comme l'économie circulaire, la mobilité, les énergies renouvelables, etc. etc. On développe aussi un baromètre pour mesurer la typologie de ces startups cleantech, pour mesurer leur impact et connaître leurs enjeux et leurs évolutions dans les prochaines années, à court, long et moyen terme. On développe également pas mal d'événements avec ces startups-là pour les mettre en visibilité, les connecter avec tout ce réseau, que ce soit sur des événements comme celui-ci au Leaders Impact Forum ou d'autres en France comme Polytech, Produrable et puis d'autres. Et aujourd'hui, on a développé 3 gros axes en 2023 qui sont la biodiversité et l'industrie verte, qui sont 2 gros piliers à développer aujourd'hui. Très bien, alors bon, je vais vous proposer de développer justement la première de vos priorités qui est l'industrie. Donc quelles actions et avec qui déployez, quelles sont vos actions du coup, hein, pour développer et avec qui développez-vous ce secteur de l'industrie ? Donc le premier pilier, donc, c'est l'industrie, notamment l'industrie verte. On participe fortement à la réindustrialisation verte de la France. Pour cela, on est comme fondateur de Start Industry, qui est une alliance pour les startups industrielles qui est portée par France Industrie, pour les aider à trouver des financements et à les aider à se développer, car les startups industrielles sont celles qui ont besoin le plus de moyens, qui ont le plus de difficultés à trouver des financements, et pourtant ce sont celles qui ont le plus d'impact environnemental et qui créent le plus d'emplois durables. Donc pour cela, on pilote le groupe de travail Impact Environnemental pour cette alliance, pour aller se rapprocher de l'ADEME, de BPI France pour trouver des nouveaux dispositifs et les accompagner sur leurs différents projets. Et puis on a développé en parallèle une cartographie des fonds à impact pour amener ces fonds auprès des startups, les fonds les plus intéressants, les plus impactants, pour les aider à se développer. Donc pour ça, on a interrogé des business angels, des VC, des fonds régionaux, etc. Pour voilà, vraiment les guider sur tous ces aspects-là. Très bien. Alors la dernière question, mais votre deuxième grande priorité pour 2023, donc la biodiversité. Donc même question, quelles actions et puis avec qui la développez-vous ? Alors, la biodiversité est souvent oubliée par rapport au carbone. On entend beaucoup de climat, etc. Mais la biodiversité est forcément liée à tout ça. Et on a un petit peu du mal aujourd'hui à le mesurer et à faire des actions dessus. Aujourd'hui, si on peut reprendre quelques chiffres de l'IPBES, qui est un petit peu le GIEC de la biodiversité, et estime qu'il y a 1 million d'espèces qui sont menacées dans le monde, menacées d'extinction. Et puis, à peu près 40% d'amphibiens. Ça fait le lien avec le fait qu'il y a à peu près 80% des zones humides qui ont disparu aujourd'hui. Et donc, fort de ce constat, au Cleantech Open France, on s'est dit on va faire des actions. Donc ça fait déjà 2-3 ans qu'on a fait une filière eau, air et protection de la biodiversité pour mettre en visibilité plus ces solutions, en sachant que la diversité, c'est assez transverse, donc on le retrouve aussi sur toutes les filières Cleantech. Et puis, on est partenaire engagé pour la nature avec l'Office français de la biodiversité, où on va inciter les acteurs, qu'ils soient publics ou privé, à entreprendre des actions au niveau de cet impact de biodiversité. Et cette année, on a développé un nouveau partenariat avec l'Office français de la biodiversité, donc l'OFB, pour
sensibiliser tous les acteurs auprès des 5 facteurs d'érosion, 5 facteurs de pression de la biodiversité, qui sont donc le climat forcément, qui sont la surexploitation des ressources, avec la pollution, qu'elle soit lumineuse, sonore ou d'autres. Et puis sur tous ces aspects de certains facteurs, on va les inclure dans le concours annuel que l'on fait, dont j'ai parlé précédemment, sur l'aspect impactant de ces startups-là. Et puis au niveau du baromètre également, pour voir quelle ou telle structure influe sur tel ou tel facteur d'érosion. Ben, Thomas Bruno, merci, c'est très, très complet, très intéressant. Merci beaucoup. Longue vie à votre association, donc CleanTech Open France. Écoutez, bon retour et puis bonne continuation. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau live sur le plateau du Hub Live. Merci beaucoup. Merci à vous. We'll be right back.